Nous sommes en direct live pour accueillir Franck et Emilia, qui sont les organisateurs de la Journée européenne du patrimoine, quatrième édition Rétro-Bess, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai bien prononcé ou pas? Oui, très bien. Alors, expliquez-nous un petit peu tout ça, parce que la Journée européenne du patrimoine, elle se fait un petit peu partout. Vous, ça va se faire à Aubais. Alors, c'est où Aubais exactement? Mais Aubais, ça se situe entre Sommières, Aiguevive et Viltel. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est la quatrième édition pour vous. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir? Donc, cette année, voilà, la manifestation, elle a fait de 9h à 16h, avec accueil des participants à 9h, avec un petit déjeuner pour leur bienvenue. À partir de là, il va y avoir des manifestations au sein du château avec des personnes habillées en costume de Moyen-Âge qui leur expliqueront la vie du château. Nous, à 11h, on va faire une parade autour du village en voiture ancienne. D'accord. Et après, vers midi, il y aura des food trucks et une buvette pour ceux qui veulent se restaurer sur place. Et la manifestation se termine à 16h. Alors, Voilà. moi j'ai regardé un petit peu sur Internet, alors on peut se tromper parce qu'il y a une affiche Journée européenne du patrimoine AOB officielle, hein, avec le Oui, logo, oui. etc. Et puis on a après la petite affiche Journée européenne du patrimoine Aubais du samedi 21 septembre et le dimanche 22 septembre, c'est ça? Oui, Voilà. c'est ça. Nous, c'est le 22 septembre pour les voitures anciennes. D'accord. Et alors, Voilà. alors, je suppose que on est dans une région, l'Occitanie, c'est riche en patrimoine. Je suppose que pour vous, le patrimoine, il est vraiment très important chez vous. Oui. Le château de Bay fait partie des plus grands châteaux du Languedoc-Roussillon. Donc, c'était la plus grosse bibliothèque à l'époque de France qui était dans le château. Donc, c'est quand même un patrimoine historique important. Alors, Voilà. on axe tout un peu par rapport au château ou pas du tout? Non, non, parce que nous, les voitures anciennes, l'année dernière, donc c'est quand même un gros événement, parce que l'année dernière, on avait eu 110 voitures qui étaient venues nous retrouver, Ah et oui. avec des voitures qui datent du début du siècle, en fait, en véhicule, on accepte les voitures anciennes, les voitures de prestige, les motos anciennes, les cyclos anciens, voilà, plus les vannes, les vieux camping-cars, style combi et tout ça, sont acceptés aussi pour notre manifestation. Et puis, je suppose que là, vous allez attendre énormément de monde dans le village avec le défilé en costume d'époque. Ce sera vers Voilà. 15h30. Là aussi, je pense qu'il y a énormément de curieux qui vont venir voir. Oui, bien sûr, chaque année, il y a énormément de visiteurs qui viennent voir le château, plus les voitures anciennes, oui. Donc, on va En fait, rappeler. pardon, Oui, Emilia. la manifestation, elle va se dérouler sur un jour et demi, grosso modo. Dans le château, tout ce qui est médiéval, il va y avoir de la cuisine médiévale qui va être proposée, il va y avoir un défilé de personnes costumées d'époque, il va y avoir des conférences, etc. Et en même temps, donc tout ça va se passer au château avec un programme bien déterminé. Et en même temps, il va y avoir seulement le dimanche une manifestation, une exposition de voitures anciennes qui se situera au pied du château. Donc les gens qui seront dans la manifestation relative au château pourront descendre en bas et vice-versa. Et il y aura à notre niveau, au niveau de l'exposition de voitures anciennes, il y aura des pin-up, enfin des personnes qui viendront costumées de l'époque de leur véhicule, si elles le souhaitent. Il y aura des personnes qui seront habillées plus particulièrement en pin-up, qui circuleront dans l'exposition. Là aussi, c'est un choix volontiers recherché par vous de pouvoir mélanger un petit peu ce côté pin-up, voiture ancienne, patrimoine, c'est voulu. Oui, c'est Oui. voulu, Oui. oui. Parce Quatrième qu'au édition. Oui, pardon. Aubais, on est une ville où il y a beaucoup de collectionneurs, donc
On aime bien la voiture ancienne et tout ça, donc Alors, pour situer Aubé, c'est combien d'habitants à peu près? Approximatif. environ 2000, presque 3000, pas tout, entre 2008 et 3000. Presque 3000. Alors, il y a un programme qui est vraiment très très chargé, hein. On vous invite à aller sur les sites divers et variés. Vous allez pouvoir le programme de samedi. Alors, tout est. Je ne sais pas comment vous faites pour faire des programmes comme ça, mais c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il se passe toutes les 20 minutes, il se passe un truc, tellement il est complet le programme entre le samedi et le dimanche. Les rendez-vous à ne pas manquer le dimanche, les rendez-vous à ne pas manquer le samedi, parce que là aussi c'est important. Tiens, la petite question piège. Si il y avait samedi et dimanche, la chose, une seule chose qu'il ne faut pas manquer. On va poser la question à Emilia. Alors moi je vous dirais la cuisine. Ah. La cuisine dans le château, la visite de la cuisine, elle est très très belle. Et toi, Franck? Moi ça sera la voiture, bien sûr. Ah oui, ah Des oui. voitures, parce que vous allez voir des voitures, comme je vous ai dit, anciennes, un peu moins anciennes, et que des belles voitures en fait, qu'on n'a plus l'habitude de voir sur nos routes, quoi. Est-ce que je mentirais si je disais aux gens que s'ils se rendent à Obey, ils vont faire un voyage dans le temps, un petit peu? Oui, Oui, oui. oui, oui, oui. Dans différents temps en plus. Oui, ils vont passer du Moyen Âge au véhicule des années 50, avant-guerre, ainsi de suite. Voilà. Alors, on a parlé bien sûr de cette fameuse exposition de voitures anciennes parce que ça marche énormément dans notre région. Il y a beaucoup de manifestations comme ça. Oui. Est-ce que, à l'heure où on parle d'électrique, parce que c'est aussi important, là, le véhicule se modifie, se transforme légèrement. Est-ce que vous allez, est-ce qu'on va voir, pourquoi pas, une voiture électrique qui sera présente ou pas? Non, non. Non, Nous, Ça quand n'a on est pas trop l'air de vous collectionneur, brancher, hein? nous, quand on est collectionneur, on est anti-électrique. Ah ouais, mais peut-être qu'il va y avoir aussi des collectionneurs qui vont se mettre à l'électrique parce que on en parle énormément. Ça veut dire qu'il va falloir Oui. changer pas mal de choses. Mais vous, collectionneur, c'est non à l'électrique quand Non, même. non, non, on reste avec nos voitures qui font du bruit, qui sentent l'huile et l'essence. C'est ce qu'on aime en fait. Et les gens, quand on roule avec, ça leur rappelle tous leurs souvenirs qu'ils avaient à l'époque, quoi. Donc, non, faut pas changer ça, quoi. Allez, on vous rappelle l'événement, hein, bien sûr, c'est ce week-end, le 21 et le 22. Alors, petite question, si les gens veulent venir en voiture, est-ce que c'est facile de se garer? Est-ce qu'il y a des parkings gratuits ou est-ce que c'est payant? Oui, tous les parkings sont gratuits à OB. Il y a aucun parking payant. Et en fait, on aura fléché tous les parkings et les sites de rendez-vous. D'accord. Ah oui, et ça, Dieu sait que c'est du boulot, hein. C'est vraiment du boulot. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des animations, est-ce que ces animations-là, le samedi et le dimanche, elles sont gratuites ou est-ce qu'elles sont payantes? Tout est gratuit. Ben, c'est encore mieux, mais dites-moi, Voilà. vous avez un village de dingue. Et pour ceux qui viennent en voiture ancienne, jusqu'à 10 h, on offre le café et les croissants. Mais il faut noter absolument cette ville Voilà. remarquable. Et Et alors, je voilà, c'est suppose que ça. pour. Mais vous... Non, mais c'est super. Alors, je suppose que pour organiser un événement comme ça, on doit faire appel à des partenaires, peut-être la ville, peut-être non? Eh bien, là, c'est en collaboration. Moi, j'aide la mairie. C'est la mairie qui organise cet événement et moi, je les aide à organiser. Alors, il y a une association qui est l'association du patrimoine d'Aubé, qui gère toute la partie, on va dire, médiévale, entre guillemets, Renaissance, enfin, partie relative au château. Et la mairie, la municipalité s'occupe essentiellement de l'exposition de voitures anciennes. Ah, vous voyez, mais mon petit doigt m'a dit Mais que. après, il y a un mélange, en fait, Ouais. chacun. La Mon. mairie, les élus aident l'association et des bénévoles, l'association du patrimoine et des bénévoles nous aident aussi pour l'exposition. Donc c'est un peu un donnant-donnant. C'est le vrai travailler ensemble et bien comme il faut. Mon petit doigt m'a dit que, Emilia, tu jouais un rôle à la municipalité ou pas? Alors je suis élue, oui, Ah. et je m'occupe plus particulièrement des festivités culturelles. Ah ben voilà, on en sait un petit peu plus, il faut pas le cacher quand on est élu et qu'on fait les choses bien, et ben c'est important et de dire à plein de alors il se passe plein d'événements bien sûr sur le patrimoine dans des grosses très grosses communes, mais dans des petites communes, il y a aussi voilà,
un exemple, OB, des municipalités qui s'engagent avec des associations pour mettre leur professionnalisme en commun et pour faire en sorte que le village, pendant ce week-end-là, puisse vivre et surtout vous faire voyager à travers les différents temps qu'on vous a évoqués. Ça sera samedi et dimanche. Dites-moi, les amis, j'ai envie de dire, je croise les doigts pour qu'il fasse beau, mais s'il pleut, est-ce qu'il y a des routes de secours ou pas? Ah ben après, là, c'est, ben, s'il pleut, tout dépend de la pluie. Si c'est forte pluie, ben, comme tous les événements en général, ça sera sûrement annulé, quoi. Bon, Si on va c'est un suivre mauvais ça. temps, oui, on peut pas mettre les voitures ailleurs Oui. qu'à l'extérieur. Ouais. Et ça va être compliqué. Voilà. Mais bon, on croise les doigts. Voilà. La mairie n'a pas encore de grande salle pour pouvoir faire un salon de l'auto, par exemple? Non, 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 non. Non, Quel dommage, non. quel dommage. Peut-être Peut-être un jour, exactement. un Allez, les amis, je vous rappelle que si vous voulez faire gagner un reportage à la ville d'Aubais et puis à ses organisateurs pour ce week-end, samedi et dimanche, il vous faut voter le chiffre en haut à droite que vous voyez. C'est le chiffre 1. Et si, bien sûr, il totalise un minimum de 30 votes, eh ben, on engagera nous-mêmes une équipe de télé directement sur place pour vous faire voir à la fois Aubais, vu avec notre œil à nous, et puis à la fois du patrimoine, des voitures, des pin-up, enfin bon, tout un gros programme qu'on vous invite, et c'est ce week-end. Merci beaucoup, Franck et Emilia. Merci à vous. Merci.